Le 15 novembre, je ne sais pas, mais très tôt, nous avons parlé. J'ai découvert un homme professionnel, un diplomate hors pair, un démocrate et un européaniste. J'ai découvert aussi quelqu'un qui veut rester dans la ligne des instructions du siège de Poutine. C'est-à-dire prendre les peuples africains comme des peuples majeurs, capables de vivre aussi la démocratie. C'est dommage que ce qui oppose cet ambassadeur et qui est la vraie cause, ce sont les valeurs et les principes universels de l'UE, la liberté, la démocratie, l'état de droit, qui gênent et qui troublent les égarements pathologiques du pouvoir de la rupture en départ du risque. C'est un pouvoir malade qui est à la tête du Bénin. Et ce pouvoir malade ne peut pas être à l'aise avec les valeurs que professe, que défend, que promeut l'Union européenne, c'est tout. Et l'autre aspect, c'est que je vais aussi vous expliquer un aspect. Il y a quelque chose, tout le monde a suivi les élections au Bénin. Tout le monde a suivi comment les élections se sont déroulées au Bénin. Tout le monde a vu comment on a détruit les libertés. La question qui se pose, quelle est l'organisation internationale qui a surveillé les élections législatives, la parodie électorale du 28 avril dernier? Trouvez-moi une seule organisation internationale digne de ce nom qui a supervisé, qui a envoyé des missions d'observation. La CEDEAO n'est pas venue. L'Union européenne, l'Union africaine n'est pas venue. L'ONU n'est pas venue. La francophonie n'est pas venue. Aucune organisation internationale n'a envoyé d'observateurs pour surveiller cette parodie de l'électorat. La classe politique de l'opposition a tiré la sonnette d'alarme en disant « ce n'est pas une élection ». Ce qui est encore intéressant, le peuple béninois a dit « ce n'est pas une élection ». Et ce peuple a rejeté cette parodie électorale selon les chiffres officiels. Je prends les chiffres élastiques de la Cour je prends les chiffres élastiques de la Sénat. De 23% ou 27%. Donc, moins du quart. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Or, tout le monde qui a, c'est qu'il y a un principe, le principe de subsidiarité. Lorsqu'il y a un problème au Bénin, l'organisation internationale la plus proche capable de régler, c'est la CEDEAO. Et l'Union africaine ne peut pas se substituer à la CEDEAO. L'Union africaine doit travailler de manière complémentaire avec la CEDEAO. L'ONU va travailler avec l'Union africaine, l'Union européenne, la francophonie et tout. C'est un principe complémentaire. Lorsqu'on s'attaque à Olivier Nader, on doit s'attaquer à Kofi Annan, à tout le monde. C'est là qu'il faut chercher la source de ce qui oppose et ce qui les oppose. Et vous savez très bien que le secteur de conformité est sous d'exclusion, que l'exclusion de tous les partis politiques est déjà un problème, que la confiscation du pouvoir législatif est un problème, que la tuerie des premiers deux mains sont des problèmes, la cotonie à quatre sont des problèmes, que la substitution de la Constitution par un texte notamment instigé par Patrick Talon constitue aussi un problème. Comment devant un tel bouquet de problèmes, l'Union européenne va dire qu'elle a plus qu'un gouvernement? Ce qui m'étonne, c'est l'attitude illisible même de l'Union européenne. Et cela se comprend. Cela se comprend. Parce que la diplomatie a encore des boulots, au pied. C'est une diplomatie qui a d'énormes difficultés. C'est l'impossibilité aujourd'hui d'arriver la vision européenne, diplomatique européenne en Afrique face aux diplomaties sectorielles spécifiques des pays colonialistes qui étaient colonialistes.
il y avait des territoires par le passé. C'est la difficulté qui est là. Les pays qui avaient des colonies, qui avaient des passés de pays colonisateurs, ils ont une diplomatie, ils ont des intérêts. Ils ont une diplomatie d'affaires, une diplomatie de géostratégie, qui parfois, cette double diplomatie des affaires et de la géostratégie nuit à la diplomatie des valeurs et des principes. Donc, lorsque l'Allemand Olivier Neff veut appliquer les valeurs et les principes, il doit se heurter automatiquement à cela. Sinon, expliquez-moi pourquoi personne ne dit rien au gouvernement du Pakistan, sachant pertinemment qu'il n'y a aucun pays en Europe, aucun pays membre de l'Union européenne qui puisse exister avec un parlement dont les 83 membres sont désignés par une seule personne. Est-ce qu'il y a un où le parlement, où les députés du parlement sont désignés et imposés par le président de ce pays avec les armes dans le sang? Quand l'Union européenne collabore, appuie financièrement des pouvoirs de ce genre, c'est la crédibilité de l'Union européenne qui devient invisible. Et quand il y a des failles de ce genre, un pouvoir de dictature peut s'engouffrer dedans. Et cela repose la question, que valent les valeurs pour l'Union européenne lorsqu'on parle du Bénin? C'est la question que je me pose. Que valent les valeurs? Est-ce que nous pouvons dire que notre parlement est confisqué et c'est de la démocratie? C'est ça la question qui est posée. Enfin, puisque vous allez poser des questions tout à l'heure, il y a un sujet sur lequel je vais survoler rapidement, c'est le sujet nigérian. La question des frontières. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus parce que j'en ai parlé énormément dans ce pays déjà. J'ai vu et j'ai lu des gens qui pensent que le Nigeria a un projet d'une guerre contre le Bénin. C'est faux. Ceux qui disent ça sont des fantaisistes, sont des gamins, sont des gens qui jouent aux incendiaires. Il faut le leur refuser. Le Nigeria n'a aucun projet de guerre contre le Bénin. Aucun. Les Nigériens sont plus responsables, plus conscients de la place et de l'importance du Bénin pour le Nigeria. Cette importance n'est pas que économique, mais c'est une importance qui est presque divinisée. C'est une importance qui est tirée de la spiritualité endogène qui lie les deux peuples. Vous savez, le Nigeria est en grande partie fondé sur le mythe de Oduduwa. Or, Oduduwa, selon la mythologie, a 7 enfants. Parmi les 7 enfants, 3 sont établis au Bénin. 3 au moins sont établis au Bénin. Et cela a une importance psychologique sur le type de relation que le Nigeria et le Bénin ont, malgré les frictions de l'histoire. Et si nous voulons aller plus loin, si nous parlons même de l'époque, de l'ère, des propos, nous pouvons dire que le Nigeria et le Bénin, nous sommes des frères, nous sommes les mêmes. De part et d'autre des frontières, c'est le même peuple. Ce que dit le Nigeria, que je répète ici, c'est 3 choses. La question de la sécurité, à cause de la guerre contre Boko Haram qui dure plus de 8 ans. La question de la transformation de l'économie nigériane pour répondre à sa vocation de leader au sein de l'Afrique. J'ai coutume de dire que le Nigeria est le cœur de l'Afrique. Est au cœur de l'Afrique. Et c'est la première puissance africaine. Même les derniers rapports le montrent. Il faut que le Nigeria assume son rôle de leader. Et pour assumer son rôle de leader, le Nigeria ne peut pas être unijambiste sur le pétrole. Le Nigeria doit diversifier son économie. Et des efforts énormes ont été entrepris depuis quelques années. Est-ce qu'il est normal que nous, le Bénin, et curieusement, nous, le Bénin, nous jouons, nous sapions, notre politique sape, inquiète, j'ai de doutes sur les performances de l'économie et la vitalité sur le pays. Ce n'est pas possible. Donc, la deuxième raison, c'est la raison de la transformation du Nigeria. Et la troisième raison, c'est la corruption.
les deux administrations douanières, de part et d'autre, au niveau des frontières. Il faut assainir. Il faut rendre performant. L'un dépasse les frontières. Il faut performer cela. Écoutez, les amis, ces trois raisons-là, en quoi ces trois raisons gênent le Bénin? Ces trois raisons ne gênent pas le Bénin. Ne devaient même pas gêner le Bénin. J'ai fait une déclaration la dernière fois. Et beaucoup de gens vont appeler pour dire oui. Si vous allez à une élection, les gens qui sont au bord des frontières ne vont pas voter pour vous. Je dis, mais pourquoi ils ne vont pas voter pour le parti? Ils disent oui, parce que vous avez dit qu'il faut casser les entrepôts de contrebande. Mais je dis, mais oui, vous-même vous parlez des entrepôts de contrebande. Et vous dites qu'il ne faut pas les casser. Est-ce que j'ai demandé de casser les entrepôts qui ne sont pas des entrepôts de contrebande? Non. Mais si moi j'étais gouvernement, je vais casser tous les entrepôts de contrebande. Je vais les recenser, les identifier, appeler les propriétaires, discuter avec les propriétaires, proposer au Nigeria que le Nigeria, le Bénin, rencontre les propriétaires des entrepôts de contrebande de part et d'autre des frontières et qu'ensemble, nous trouvons une nouvelle solution consensuelle qui puisse apaiser le Nigeria, apaiser le Bénin et aussi leur permettre de faire du profit. Mais je ne peux pas cautionner des entrepôts de contrebande qui déstabilisent ou qui gênent le voisin. Je ne peux pas le faire. C'est ma vision. Et c'est une vision de transparence. Si nous connaissons l'objet du mal, si nous connaissons ceux qui sont à l'origine du mal, nous allons les appeler, nous allons nous asseoir. Je n'ai pas dit de commencer c'est pas à brûler les entrepôts, non. Nous les connaissons, nous les recensons, nous discutons avec les personnes, nous cherchons des solutions. Parce que la solution avec le Nigeria doit passer par le dialogue, doit passer par le fait que nous allons nous asseoir pour que ceux qui fâchent, ceux qui font peur, nous essayons d'aplanir. J'ai écouté certains qui ont dit, laissez le Nigeria, trouvons des marchés loin. Le marché nigérien est irremplaçable. Nous ne pouvons pas trouver près de 200 millions, un marché près de consommateurs, 200 millions de consommateurs à nos portes. C'est une chance. Je vous ai dit ici que le seul État cité de négoce en termes de PIB dépasse la somme du PIB de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal réunis. Si on additionne le PIB du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, l'État de Lagos les dépasse et va leur donner des résultats. Je l'ai dit plusieurs fois ici, quand on est dans une telle situation, on peut être réaliste, il faut être transparent. Le Nigeria n'a aucune ambition sur le Bénin. Et aucun Béninois ne peut se laisser vassaliser, manger, pagociner par le Nigeria. C'est faux. Écoutez, je ne vais pas continuer là-dessus. Notre pays commet même des choses bizarres. On érige une fiscalité de la contrebande. Vous voulez faire votre budget et vous réservez une part à la filière contrebande. J'ai publié sur ma page Facebook. Le Bénin importe presque la même quantité que les États-Unis, de riz que les États-Unis. Le Bénin importe presque la même quantité de riz que les États-Unis. Mais nous savons pourquoi? Pour réexploiter. Vers où? Vers le Nigeria. Le Nigeria dit, ça tue les écoles, nos écoles risicoles. Quand le pays dit comme ça, nous devons nous asseoir et en parler. C'est agricole. Qui est là? Je vais vous lire un peu ici. Le riz, un problème qui n'inquiète personne. Le Bénin importe 774 milliards alors que les États-Unis
importe 714 milliards. Soit les États-Unis ont une fois plus importante que notre population. Mais nous importons du livre plus que. Mais c'est grave. C'est grave. Personne ne peut l'accepter. De toutes les façons, tôt ou tard, les deux pays vont s'asseoir. J'ai discuté avec les autorités nigériennes, certaines autorités nigériennes. J'ai même discuté avec l'ambassadeur du Nigeria sur la question, pour comprendre. Il faut que nos autorités jouent la carte de la transparence. Le bon voisinage, c'est la transparence. La fraternité entre les deux peuples, c'est la transparence dans nos actions. Si vous observez ces choses, toutes ces choses que vient de décrire, pour du Bénin, quel genre de pays? Le Bénin a cessé d'être un état de droit, a cessé d'être une démocratie. Le Bénin a cessé d'être un pays crédible. Parce qu'il était malheureux lorsque, à Sochi ou au Japon, on a dit que les officiels nigériens ont taxé le Bénin d'état de contrebande. J'ai eu honte. Et notre pays maintenant, c'est un pays qui court derrière la diplomatie pour venir certifier sa dictature à l'intérieur. C'est une honte. Après, on dira, c'est le blanc qui est mauvais, c'est l'Occident qui est mauvais. C'est l'Occident qui a tiré sur les gens, le premier et le deuxième. C'est l'Occident qui a fait les exactions. En juillet, à Tchaoui, ce jour-là, c'est l'Occident qui a séquestré l'autre pendant 52 jours. C'est nous-mêmes, nos frères. Et quand on prend quelqu'un d'entre nous au pouvoir, au lieu de faire une gouvernance de développement, il fait une gouvernance de règlement de compte. Et ça vient sur l'analphabétisme, la misère, la popularisation. Et aussi le fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas voyagé, n'ont pas vu ailleurs. Il suffit de mettre le bitume sur deux ou trois vieilles, je mets des lampadaires, on dit allez applaudir, il met lampadaire, comme si on était des papillons. Allez à Dakar. Allez simplement à Dakar, vous allez voir que ici, ça ne fait rien. Quand on a une situation comme ça, et qu'on décide de s'y opposer, qu'est-ce qu'on fait? C'est là la conclusion. Quand on est à cette phase, on ne prend jamais l'option de la rébellion. Je l'ai expliqué le jeudi, je ne commence pas à l'expliquer le vendredi, à l'occasion de la communication de madame Abouzon, j'ai expliqué un peu. Quelles sont les deux voies que nous avons au Bénin? Nous avons la voie de la rébellion et nous avons la voie de la résistance. C'est de manière sincère, objective, que nous avons dit, nous n'avons pas les moyens de la rébellion. Et même si nous avons les moyens matériels de la rébellion, nous n'avons pas les moyens moraux, psychologiques de la rébellion. Notre peuple n'est pas un peuple qui est un peuple qui prend des machettes, qui prend des couteaux, qui prend des fusils. Nous n'avons pas un peuple comme ça. Nous sommes un peuple pacifique. Donc, parler à ce peuple de rébellion, c'est ne pas être en phase avec ce peuple. Et puis la rébellion, lorsque les armées supposent des préalables, il faut une base d'entraînement, il faut une base arrière. Et ce n'est pas ce qui est indiqué pour notre région africaine aujourd'hui. La région africaine, surtout autour du Sahara, l'Afrique occidentale, n'a pas besoin que nous ajoutions de la rébellion aux actes de terrorisme qui sont déjà en place. Ça, non, ce n'est pas responsable, ce n'est pas censé. Nous avons débattu dans cette salle qui est à côté. Nous avons dit que ce n'est pas responsable, ce n'est pas bon. Nous l'avons rejeté. Donc la rébellion sous n'importe quel forme n'est pas notre option. Nous l'avons rejeté. Certains pensent qu'on n'a pas évoqué la question. On a étudié la question en profondeur. Au cours de ces séances, je passe sous le contrôle du secrétaire général, je passe sous le contrôle du secrétaire général adjoint et du coordinateur de Cotonou. J'ai démontré que nous ne sommes plus à l'étape de Che Guevara, de Mao, de Joshua Nkomo, de lutte de libération. Là-bas encore,
C'est des luttes de libération. C'est contre l'envahisseur. Ici, nous sommes à l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas prendre les armes contre nous. Nous-mêmes. Donc, que ceux qui disent de sauter les ponts, couper les choses-là, casser les lampadaires, ils n'ont pas compris l'option à laquelle nous avons adhéré. Et c'est cette option que moi j'applique. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec les abeilles de Culibor. Je n'ai jamais été d'accord avec les chasseurs de Tchaourou, de Kessou, des amulettes bardées de ci ou de ça. C'est pas que je ne reconnais pas leur puissance, leur valeur, mais ce n'est pas notre option. On n'a pas choisi. Je suis béni, moi. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui savent parler aux abeilles. Mais moi, je ne sais pas parler aux abeilles. Nous n'avons pas pris l'option des abeilles, ni des chasseurs, ni des amulettes. On n'a pas pris. Qu'un seul membre de la résistance vienne me voir pour dire on a pris cette option. On n'a jamais pris cette option. Et parce qu'on n'a pas pris cette option, je ne donnerai pas option à cette option. C'est une option mauvaise. Parce que quand on prend les armes, on ne sait pas, on sait que des gens vont mourir, mais on ne sait pas qui. C'est là où c'est difficile quand vous prenez les armes. Le jour où vous prenez les armes, vous devez être sûr de quelque chose, vous allez vous tuer. Mais qui sont ceux qui vont mourir? Nous ne sommes pas un peuple génocidaire. Vous comprenez maintenant les journalistes, vous comprenez notre option. Mais nous avons dit nous faisons une résistance. Et même lorsque nous avons pris l'option de la résistance, nous avons dit qu'il y a deux formats de résistance. Il y a la résistance violente, qui consiste à faire des actions de violence. Moi, j'ai un parcours, je connais ces choses. Je n'ai pas commencé la politique à l'aide de la rupture et à l'aide du changement, quand même. Je n'ai même pas commencé la politique à l'aide du renouveau démocratique. Je connais ma formation, je connais mon parcours. Mais les conséquences que la violence génère, il faut en être conscient d'abord avant de faire son choix. Nous avons exposé ce que ça peut donner si nous pouvons arriver, si nous prenons l'option de la violence. Vous savez, la violence est la chose la plus facile, mais la plus coûteuse. C'est facile. Déstabiliser, empêcher, semer la terreur, c'est facile. Vous êtes formé un peu, c'est facile. Il y a des gens dans le monde entier qui attendent, qui veulent former des gens, qui veulent même financer. Parce que c'est facile. Mais les conséquences sont dommageables, dramatiques, insupportables, intenables pour tous ceux qui ont pris cette option. Vous rentrez dans un jeu de hasard. Vous ne savez même pas si vous en partirez vous-même. Vous n'avez plus votre destin en main lorsque vous prenez l'option de la violence. Et nous avons refusé. J'ai exposé les trois grands maîtres de la non-violence. J'ai exposé Martin Luther King. J'ai exposé Gandhi. Et j'ai exposé Mandela. J'ai montré au cours de nos réunions à quel moment précis chacun de ces trois personnages a fait la mutation entre la violence et la non-violence. Mandela n'était pas non-violent au départ. Au départ, Mandela était professeur de la violence totale. Allez lire la biographie, le parcours de Mandela. C'est à partir d'un moment que Mandela fait la mutation de la non-violence. Mais lorsque vous prenez Gandhi, Gandhi a mélangé les deux. Parfois Gandhi est violent, parfois il est non-violent. Et la doctrine non-violente de Gandhi est tirée de sa doctrine spirituelle. De la spiritualité qui a servi de base à la non-violence de Gandhi. Malgré cela, il y a des étapes où Gandhi a laissé les bribes pour la violence. Le seul qui est resté totalement un non-violent atypique, c'est Luther King. Mais il a tiré ça aussi de la foi chrétienne, qui était sa trame. J'ai exposé tout ça, j'ai montré les avantages et les inconvénients. Et nous avons débouché sur quoi? Sur la non-violence totale. Autrement dit, la résistance nationale ne fera rien qui puisse l'exposer comme complice direct ou indirect de la violence. Et c'est ça que nous avons décidé de faire. Or,
si on prend l'option de la non-violence, il y a des règles qu'il faut, il y a un protocole qu'il faut appliquer. C'est le protocole que nous n'appliquons pas jusqu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis, comment s'insurger efficacement contre un régime de dictature? Il faut appliquer le protocole qui est simple. Définir un objectif. S'asseoir pour s'entendre sur une stratégie. À partir de l'objectif et de la stratégie, avoir une organisation qui tienne compte de l'organisation du processus et des tactiques. Quatrième chose à laquelle il faut veiller, le financement. Et cinquième chose, le pilotage de l'ensemble. J'ai exposé tout ça. Et pour faire le pilotage de l'ensemble, il faut prévoir les trois pôles classiques de pilotage d'une résistance. La gestion des risques, c'est des difficultés. Comment gérer? Si quelqu'un a une mission, il y a une difficulté, comment gérer? Voilà les gens qui sont poussés à l'exil. Comment gérer efficacement l'exil des gens? Et faire en sorte que l'exil soit le plus court possible. Qui gère ça? Quel est le pôle qui gère ça? Il y a aussi les avantages, les ambitions. Il faut un pôle de gestion pour prendre les agendas particuliers en un seul agenda qui doit être l'agenda de l'intérêt général et hiérarchiser les agendas et faire un chronogramme des agendas. Il y aura une phase où tous ceux qui ont des agendas particuliers doivent taire leur ambition et rentrer dans, sous la bannière de l'agenda de l'intérêt général. En tant que là, il faut identifier cet agenda. C'est ça. Et en fait, il faut la haute, le grand but sur l'ensemble et qui doit être confié à des gens d'expérience ou à des gens qui sont des figures emblématiques, stables. Ça doit être débarrassé de toute comédie, de toute action de Bobo Diouf, de toute grimace. Mais c'est important. Pourquoi? Parce qu'en face, nous avons un régime radicalisé, malade, qui n'a plus rien à faire avec les lois. Ni avec le gouvernement de Patrice Talon n'a plus rien à faire avec nos lois. Ils ne testent rien. Ils ont affaire à la volonté de Patrice Talon, qui est loi. Point. Et Patrice Talon a affaire au peuple. C'est ce que j'ai dit aux gens. Patrice Talon a affaire au peuple. Si Patrice Talon a affaire au peuple, nous avons aussi affaire au peuple. Il nous appartient d'aller encadrer le peuple, de parler au peuple, de sensibiliser le peuple, d'informer le peuple, d'assister le peuple, c'est tout. On ne nous demande pas d'aller nous opposer au canon de Patrice Talon. S'ils sont des chats, mais nous sommes des Batman pour monter sur les chats? Non. Mais s'ils sont les chats et que le peuple est bien préparé, le peuple va arrêter les chats. C'est moi qui vous le dis. Oh, nous avons des expertises, des capacités pour encadrer le peuple à cette possibilité. Quand on veut résister à un régime dur, il y a des comportements classiques qu'on doit avoir. Et puis, résister, c'est le moment de l'affermissement de la solidarité. Les plus fragiles parmi nous, ceux qui sont venus parce qu'ils veulent être députés, mais il faut les... il y en a même qui sont venus parce qu'ils veulent être maires. Ils sont partis. Vous les connaissez, non? Ils partiront tous les jours. Les résistants, c'est ceux qui ont fait le pari de l'intérêt général, le pari des valeurs et des principes. Et je vous explique ces choses. Si vous voulez résister, ce n'est pas des boudins que vous allez prendre. Vous allez battre ce régime sur les valeurs, sur les principes. Que l'Union européenne vienne nous répondre. Est-ce que Bénin, c'est une démocratie? Pourquoi vous continuez les relations avec l'Union? L'Union européenne doit pouvoir répondre. Si elle ne répondait pas, elle n'est plus crédible. Parce que ce qu'on laisse passer au Bénin, il y a d'autres pays qui ne commencent pas à porter déjà. Vous avez appris ce qui se passe aux Comores. Quelqu'un n'a pas appris.
où le président peut mettre de côté le Parlement et décider. Vous voyez déjà ce qui se passe dans d'autres pays proches de nous, où déjà un président dit, mais le président Ouattara, il dit oui, Patrice Talon m'a dit qu'il va mettre un milliard, bon, moi j'ai ri, il dit à un monsieur, monsieur Billon, c'est ça non? Billon. Oui, Billon. Billon. Mais c'est vous seul qui allez payer, donc peut-être que Billon doit être multimilliardaire. Le plus riche de Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça faisait sourire Ouattara. Je connais un peu la manière, le sens de l'humour et de l'ironie de Ouattara. Il riait. Il avait pitié.